Et yo les potos, c'est Bikey187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, hop, de jeux pas chers. Pas chers. On va commencer par le premier que j'ai rentré pour... Oh, pas cher. On se retrouve pour l'unboxing juste après le générique. Allez c'est parti, pas cher. Et re les amis, donc aujourd'hui deux jeux qui rentrent dans la collection, un jeu PS3 et un jeu Switch que j'ai vraiment rentré pour pas cher, tu vas voir pourquoi. C'est grâce à Rakuten, hein, grâce au point Rakuten. On va commencer hop, par le premier. Oula, le monsieur m'a carrément donné la brochure de sa boutique. Vous recherchez des jeux rétro à petit prix? Une seule adresse. Une seule adresse. Oui, il faudrait que j'arrive à ouvrir la feuille. Ah ben, il n'y a pas de feuille. Il n'y a pas d'adresse. Ah, c'est bon. Bon, c'est juste la facture. Là. Donc, tenez, pour ceux qui s'intéresseraient, qui seraient intéressés pour des jeux rétro pas chers, je vous donne le lien. Désolé, c'est un peu sombre. Voilà. Donc, HTTP. Retrofall59.com 59, à mon avis, il vient du Nord. Donc, si vous voilà, allez jeter un oeil, hein, on va aller jeter un oeil juste après. De toute façon, moi j'allais jeter un oeil après, voir un petit peu ce qu'il pourrait avoir. Mais si ça peut intéresser d'autres personnes, ben, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc, ça, la page ici, on n'a pas besoin. C'est la page de chez Rakuten. Donc, ça, on va la ranger là. Alors, j'ai rentré pour 1,70€. Que normalement il coûtait 7 balles, j'ai rentré le Lost Planet 2. Voilà, le petit Lost Planet 2. On va pas les faire, donc ça fait plaisir. Voilà, dessus c'est marqué toi, tu as le prix derrière complet 4€. Voilà. Donc ça, je vais juste enlever l'étiquette ici derrière. Parce que l'étiquette où c'est marqué complet 4€, on s'en bat un peu les couilles, hein, on va pas se mentir. On va ici. Ben, disons ça tient bien ces étiquettes là franchement. Et comme de fait, ben, il est complet et pas cher. Voilà. 1,70€ au lieu de 4 balles. Bon, il est un petit peu cravouette, hein. Il n'est pas griffé, mais il est un petit peu sale, il y a des traces de doigts et tout. Donc un petit coup de nettoyage avec du savon vaisselle parce que ça coûte pas cher. Voilà, et la notice, ben, elle est franchement assez complète. Voilà, très grosse notice. Donc un petit Lost Planet 2, bon c'est. Je connais pas trop la franchise, hein, Lost Planet, hein, je t'avoue, je vais pas te mentir. Je connais pas trop bien, donc on pourra se le tester éventuellement, faire un petit gameplay de une petite demi-heure, une heure dessus. En live, voir un petit peu ce que ça donne. Mais bon, pour 1,70€, hein, franchement, on va pas se priver. On va passer au deuxième, que le deuxième normalement coûtait 15 balles, mais je l'ai eu pour pas cher non plus. Parce que je l'ai eu gratos avec les points Rakuten, donc au total j'avais à peu près l'équivalent de 15, 20, 23, 24 euros points à peu près. Donc du coup j'ai rentré, hop, un petit jeu Switch. Il s'agit du SNK Air Ones Tag Team Frenzy. Voilà, le petit SNK ici. Bon, ça fait un petit jeu Neo Geo en boîte, ça fait plaisir. Bon, la petite notice qui est là, bon, ça on va s'en débarrasser, hein, parce que c'est les conditions générales, ça on s'en fout un peu. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de notice, hein. Il y avait juste le truc. Bon, pas les faire également. Donc ça c'est cool. Donc, voilà, comment avoir des petits jeux gratos? Bah, tu fais quelques commandes sur Rakuten, tu accumules des points et tu peux t'offrir deux petits jeux sympas pour... Pas cher.